Salut les diginotes et bienvenue pour ce nouveau live de brevet mathématique sur le thème de la transformation des plans. Alors on est ensemble pendant une heure avec Fatoumata qui va répondre à toutes vos questions. C'est un système de quiz, donc n'hésitez pas à répondre directement en commentaire vos bonnes réponses, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. La liste de nos réseaux sociaux, donc deux pages Facebook, deux pages Twitter, une page Insta, une page Snapchat. N'hésitez pas à nous suivre. On poste régulièrement des trucs, des petites vidéos pour vous faire rire et vous faire avancer dans vos révisions. Alors, plusieurs thèmes aujourd'hui. Donc, la transformation du plan, comme je vous disais. Donc, les rappels, la symétrie, les translations, les rotations, l'homothétie. Et on vous fera à la fin un gros résumé de tout ce qu'on aura vu pendant ce cours. Allez, je retrouve Fatoumata tout de suite et on débute. Salut Fatoumata, ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va plutôt enfin, très bien. Bah oui, on dirait et toi bien. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va commencer ce live sur les transformations du plan. Les transformations principales dont on vous parle en troisième sont la symétrie. Donc, il y a la symétrie axiale, la symétrie centrale, les translations, les rotations et les homothéties. On va commencer avec la première diapo qui va s'afficher à l'écran. Tout à fait. Alors, on a mis une stagiaire aux manettes, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, je rigole. Non, alors, avec un petit décalage, pensez, c'est vrai, je n'ai pas pensé à le dire, à prendre, calculatrice, peut-être pas forcément, un stylo, une feuille, de quoi noter, comme d'habitude, ça ne change pas. La base. Et on va commencer par définir ce que c'est une transformation. Donc, pareil, ça arrive. Oui. Alors, une transformation, c'est quelque chose qui va transformer un objet dans le plan. En gros, elle va associer à tout point ce qu'on va appeler une image de ce point. Elle va la transformer comment? Ça peut être par symétrie. Symétrie, je disais, ça peut être une symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à un point, ou une symétrie axiale, par rapport à une droite. Il y a la translation qui va être un glissement, la rotation qui va être un tour et les homothéties. Donc, on va voir sur quelques questions simples à quoi ça peut ressembler. Et bien sûr, il faudra vous entraîner sur des exercices type brevet pour y arriver. Je pense qu'il y a la première question ou non, pas encore. Non, toujours pas. Donc, là, on a parlé des transformations concernant un point. Lorsque vous voudrez transformer une figure, il suffira en fait de la transformer, transformer tous les points de cette figure. Si c'est un triangle que vous transformez, vous obtiendrez un triangle. Si c'est un carré, ce sera un carré. Après, il va se déplacer dans le plan via des méthodes que nous allons voir. Et on peut continuer du coup. Tout à fait. Et je crois que là, ça va être à vous de jouer avec la première question. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question à poser à Fatoumata, vous pouvez la poser en commentaire. Moi, je lui la lis et je lui transmets. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, plein de messages d'amour, donc merci beaucoup à vous. Allez, on t'écoute. Donc, non, c'est toujours pas la question. Bon, on va y arriver. Oui. J'annonce la question, donc vous allez tous l'attendre. Finalement, on la verra arriver. Commençons par définir ce que c'est que la symétrie centrale. Tout ce qui est symétrie, vous l'avez vu au primaire et en sixième, cinquième, et peut-être qu'on vous l'a encore appelé en quatrième. Donc, la symétrie centrale, c'est par rapport à un point. L'image d'un point P, par une symétrie centrale de point O, va être un point qu'on va appeler P', qui a pour particularité, que le point O va être le milieu du segment PP'. Ça veut dire que si vous avez le point P, vous avez le point O, vous voulez tracer le symétrique par rapport à O, il va falloir tracer la demi-droite PO, qui est affichée à l'écran, et reporter donc la distance qu'il y a entre O et P de l'autre côté pour obtenir le point P'. Vous allez donc avoir besoin d'une règle et d'un compas pour ça. Donc, c'est tout pour ce rappel. Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas. Alors, Nati qui nous dit, est-ce que les transformations du plan sont probables pour le brevet? Tout est probable pour le brevet. Alors, cette question, on nous la pose un peu à tous les lives. Tout ce que vous voyez peut tomber au brevet. On ne saura pas vous dire quels sont les sujets qui tombent ou pas, mais il faut tout apprendre. Ensuite, vous avez la symétrie axiale, qui est donc la symétrie par rapport à une droite.
Quand vous êtes par rapport à une droite, vous pensez en fait à un effet miroir. La particularité là-dedans, c'est que donc le symétrique d'un point P par rapport à une droite D va être le point P', tel que D est la médiatrice du segment PP'. Une médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment en deux, donc elle passe par le milieu et elle est perpendiculaire à ce segment. Ça va être la droite D en rouge. On voit qu'elle est bien à égale distance du point P et du point P'. Ok? Bah, c'est tout. Et maintenant, enfin, la fameuse question que j'annonçais depuis le début. L'image du triangle ABC par rapport au point O qui est représenté en rouge est laquelle des trois figures? Vous avez trois propositions, la A, la B ou la C. On attend vos réponses. Allez, on cite le nom de celui qui donne la bonne réponse en premier. Allez, activez vos réponses. Oui. Donc, je vois alors. Je vois des demandes pour la probabilité et les fonctions. On a des lives déjà disponibles sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à aller voir les lives de cette année ou de l'année dernière sur la probabilité et sur les fonctions. Alors, on a les premières réponses qui tombent. Il y a un peu tout, mais la réponse A revient la plus souvent possible. Alors, question de la grande femme des Kids United. C'est pas son premier live qu'elle nous suit, je m'en rappelle. Alors, question, vous pensez qu'il faut commencer les révisions intensives du brevet quand? Parce que j'aimerais commencer, mais je me demande si c'est pas encore trop tôt. C'est jamais trop tôt. Ça devrait déjà être commencé, en fait. Les révisions, elles commençaient dès le début de l'année. Donc, de façon intensive jusqu'à la fin. Maintenant, si vous n'avez pas commencé, vous vous y mettez dès la fin de ce live. Exactement. Important. Vous restez avec nous et après, vous filez. Et on va du coup afficher la réponse. Oui. Alors, la bonne réponse était la réponse C et c'était Hachi Okito sur YouTube qui a répondu bien en premier. Donc, la bonne réponse était la réponse B, comme vous le voyez sur l'écran. Non, c'est fou là. Ah oui, le pont du premier mai. Bah oui, mais c'est ça, mal, c'est dur. Hein. Donc, c'est la réponse C. Ce qu'on a dit sur la symétrie centrale, ici c'était par rapport à un point, c'est bien une symétrie centrale, le point doit être le milieu du segment formé par le point initial et le point image. On avait le triangle ABC. Le symétrique de A par rapport à O, pour l'obtenir, on a tracé la droite AO, ou plutôt la demi-droite AO, et on a pointé, on va dire, on pointe sur le point O pour mesurer l'écartement entre O et A. On reporte la distance de l'autre côté, on obtient le point A'. On fait pareil pour le point B et pour le point C. Et on obtient donc le triangle image. Et c'est tout, des questions sur ça ou... Non, il n'y a pas de questions, on peut continuer. Question suivante. L'image du triangle ABC, cette fois-ci, par rapport à la droite D est... Vous avez réponse A, réponse B et réponse C. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Alors, on nous dit, oh, j'ai faux. Ah oui, c'est vrai. ne vous inquiétez pas. Vous pourrez aussi, je tiens à vous informer que ce live est disponible tout de suite après en replay grâce à YouTube et Facebook. Vous pourrez le revisionner autant de fois que vous voulez. Dès qu'on aura rendu l'antenne, vous pourrez le regarder et faire par exemple des arrêts sur image sur les notions que vous n'avez pas vraiment compris et pouvoir vous les remettre en boucle autant que vous voulez. Alors, la grande fan des Kids United nous dit « Oui, oui, je révise depuis le début de l'année de manière générale. Ça, c'est pas un problème. Eh bien, tant mieux pour toi. Super. Normalement, ça devrait aller. » Et à partir de maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler uniquement sur des exercices type brevet. Reprenez toutes les annales, reprenez tous les sujets qui sont déjà tombés et entraînez-vous surtout sur le timing. Quand vous prenez un sujet, vous donnez un temps à respecter pour chaque exercice et vous pouvez le faire en différé. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le sujet pendant 2, 3, 4 heures. Vous décidez que vous allez mettre une demi-heure de travail. Vous faites deux exos qui sont censés durer une demi-heure, mais vous les faites bien comme il faut. Alors une majorité de réponses A. Laquelle était-elle? Ben, je dirais A, comme tout le monde. Trop bravo. Fort. Alors, je vais essayer de reprendre la première personne qui nous l'a dit. Il s'agit de Elisa Saunier. Bravo, bravo à toi. Et les explications, vous avez la figure affichée. Par rapport à la droite D, on disait que la droite doit être la médiatrice des segments. Donc, si on prend alors le point B pour commencer, pour tracer son symétrique, il faut
tracer la perpendiculaire à la droite D passant par B. Et ensuite, avec le compas, reporter l'écart qu'il y a entre le point qui coupe le segment bleu et rouge. Donc, on mesure l'écartement qu'il y a entre ce point et B et on le reporte de l'autre côté. Donc, on a le point B'. On fait pareil pour le point A et pareil pour le point C. Donc, pensez bien, dans la médiatrice, il y a l'aspect milieu, mais il y a aussi la notion de perpendicularité. Donc, voilà pour cette question. Exactement. Ah, on change de thème, on passe à la translation. Maintenant, c'est quoi la translation? Eh bien, la translation, on va le voir tout de suite. Bah on oui. aura la définition. C'était une introduction, tu vois. La translation, en intro, c'est un glissement. Donc, ça va être défini par un vecteur. Là, j'utilise le terme de vecteur. Sauf que les vecteurs, on ne vous en parle pas avant la seconde. Sauf que je préfère moi mettre un mot sur ce que vous utilisez. Ça va être une flèche en fait. Un vecteur est défini par trois choses. Il y a une direction, un sens et une distance. La direction, c'est une droite. Donc, si on veut l'image d'un point P, la direction, ça va être la droite P, P'. Le sens, ça va être de P vers P'. Et la distance, ça va être la distance qui sépare le point P et le point P'. Or, pour pouvoir faire une translation, on va généralement vous donner le vecteur, c'est la petite flèche rouge qui est notée V sur l'image. Donc, pour tracer l'image de P par rapport à ce vecteur, il faut savoir tracer une parallèle. Donc, on construit la parallèle au vecteur qui va passer par P. On va se diriger dans le sens de la flèche, donc on va aller de P vers P'. Et ensuite, on va mesurer l'écart, donc la longueur du vecteur, et la reporter pour obtenir le point P'. Ça a l'air technique comme ça, mais en vous y entraînant, vous allez voir que c'est assez facile à faire. Les translations, c'est l'une des transformations les plus faciles après la symétrie. Alors, attends, j'ai plein de questions pour toi. Alors, la première, elle est de Jojo qui nous dit « Si la droite est un segment et est plus petit que la figure, comment faire ?» Déjà, une droite ne peut pas être un segment, c'est deux choses complètement différentes. Une droite passe par deux points, elle est infinie. Un segment est bien arrêté entre deux points. Et la suite de la question, du coup, c'était, elle est où? Ici, elle est où? Jojo. Est un segment et est plus petit que la figure, comment faire? J'essaie de comprendre la question. Hein. Donc, j'ai parlé de la différence entre la droite et le segment. Et quel que soit le cas, ce que vous tracez, c'est à vous de prolonger. Vous avez des segments qui existent, vous avez des droites à tracer, c'est à vous de le faire, d'utiliser votre crayon, votre règle et de construire l'image. Et lorsque vous le faites, essayez d'analyser. Si vous devez construire une image sur votre copie et ensuite faire le symétrique, il faudra analyser avant. Vous allez devoir avoir un rôle d'architecte, de vous dire si je place mon triangle ici, que je dois faire le symétrique par rapport à un certain point, où est-ce qu'il pourrait se retrouver. Et à partir de là, vous positionnez votre figure comme il faut sur la feuille. Il y en avait une autre de question? Oui, question de Lucie qui nous dit qu'est-ce qu'une médiane Alors, j'ai perdu la... Qu'est-ce qu'une médiane? Qu'est-ce qu'une médiatrice? Médiane et médiatrice, oui. Alors. La médiatrice va couper un segment en deux parties. Donc, ça va être on parle de médiatrice d'un segment. On a un segment, elle passe par le milieu du segment et elle est perpendiculaire à ce segment. La médiane, on parle de médiane d'un triangle. Dans un triangle, la médiane va être la droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Donc, si vous avez un triangle ABC, la médiane qui va être issue de A va passer par le point A et qui va passer par le milieu du côté BC. Voilà la différence entre médiane et médiatrice. Ensuite, question de Zoé. On note une droite entre parenthèses et un segment entre crochets? Exactement. Parfait. Et je pense et que pareil, l'on va pour la notation des enchaîner. Droites, généralement, on utilise des minuscules pour noter les droites. Ça peut arriver exceptionnellement comme être des majuscules, mais les majuscules sont utilisées pour noter des points, des minuscules entre parenthèses pour les droites. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, on peut enchaîner. D'accord. Avec la première question. Déjà la question. Non. Eh oui. On a une flèche, une grosse flèche, et on a une toute petite flèche rouge qui va être le vecteur par lequel on veut faire la translation. Et la question est donc, le résultat de cette translation est à vous de choisir si on obtient la figure A, la figure B ou la figure C. Alors, entre-temps, Calipou te demande, est-ce une homothétie?
Eh bien, une homothétie, on va voir ce que c'est un peu plus tard. Donc, reste jusqu'au bout, on le verra. Je crois que c'est la dernière transformation qu'on verra. J'ai le brevet blanc demain et j'ai pas révisé. Comment faire? Eh bien, prier. Oui. Ouais, non, c'est compliqué. Comment faire? Si tu as un très bon niveau au maths que tu n'as pas révisé, ce sera facile. Sinon, effectivement, prier pour tomber uniquement sur les exercices que tu as compris. Que tu maîtrises. Et pour les autres, ce n'est pas un exemple à suivre. Non. Alors. Quelle était la bonne réponse? On en a plusieurs. C'est mitigé. C'est complètement mitigé. Alors, quelle était donc la réponse? Eh bien, c'était la B. J'en ai vu quelques-unes. Oui, j'en ai vu quelques-unes aussi. Et c'est Wittstari qui a répondu le premier. Bien la bravo. Réponse B, la bonne réponse. Une translation, je disais que c'est un glissement. La flèche qui indique la translation, elle vous montre en fait dans quel sens vous devez glisser. Vous avez la grosse flèche. Si vous la glissez suivant la flèche rouge, vous obtenez la flèche bleue. Donc le point. Qui est à une extrémité de la flèche. Faut que je précise en plus laquelle. Donc, il y a la flèche rouge qui relie les deux grosses flèches. Donc, l'image qu'on avait au départ et celle qu'on a obtenue à la fin. Chaque point de l'image doit être obtenu en suivant la flèche. Sur votre copie, soit vous avez une feuille à carreaux et c'est facile à faire, mais de façon générale, vous devez utiliser la notion de direction en faisant la parallèle à la parallèle à la flèche. Et ensuite, vous mesurez la distance. Alors, on a Chi Okito qui nous dit qu'il voudrait être architecte. Et du coup, les maths, oui, ça va être utile. N'hésitez pas à nous dire aussi. Et surtout la géométrie. Ouais. Et n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, si vous avez déjà un métier qui vous fait envie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Qu'on puisse aussi débattre dessus. On enchaîne avec la rotation. On passe à la quatrième partie. À la deuxième question. La deuxième question sur les translations. Raté, je suis pas. Donc, moi non plus. Alors, la figure est obtenue par la translation qui transforme réponse A, A en B, réponse B, B en G, réponse C, A en C ou réponse D, D en B. Ici, l'idée, c'est d'imaginer. On avait le triangle, on a un triangle A, B, C, D, et on a un rectangle A, B, C, D, on a un rectangle C, E, F, G. Et l'idée, c'est de savoir quelle est la flèche qui a permis d'obtenir cette figure. Ah, il y a déjà des réponses. Oui, tout à fait. Et je reviens par rapport au prénom. Donc, il y en a, ils voudraient être professeur de PS, avocat, pédiatre, ingénieur. Ouais. Eh bien, c'est génial, vous voulez faire plein de beaux métiers. Alors, intégralité de réponse C pour l'instant. Il y en a eu d'autres et c'était la bonne réponse. Donc là, on remarque que donc, la flèche qui permet de passer d'un rectangle à l'autre, c'était ce qu'on appelle le vecteur AC. Donc, vous avez A qui va être transformé en C. De la même manière, B va être transformé en E. D va être transformé en G et C lui-même va être transformé en F et on obtient le rectangle. Oh, j'ai du mal avec le rectangle aujourd'hui. Oui. Le rectangle image, c'est parce que j'ai mis trop de triangles partout. Ah. Abdallah te demande, c'est quoi la différence entre l'image d'une figure par rapport à un point ou une droite? C'est que par rapport à un point ou une droite, le point va être le milieu de toutes les, on va dire, de tous les segments que tu vas devoir tracer pour obtenir ton image. Et lorsque c'est une droite, il faut vraiment penser à l'effet miroir. Quand vous êtes par rapport à une droite, essaie de t'imaginer devant un miroir. Dis-toi que quand tu es face au miroir, les deux figures devront se regarder. Alors que lorsque c'est un point, c'est pas forcément le cas. Lucie veut devenir graphiste. Tu as raison, c'est un super métier. je parle en connaissance de cause. Allez, on passe au thème numéro 4, les rotations. Alors, qu'est-ce qu'une rotation? C'était toi qui devais dire. Ah ouais, pardon. Super, tu me fais tout le montage. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'une rotation? Une rotation, c'est un tour ou plutôt un pivot. Parce que par tour, vous allez comprendre un tour complet, mais c'est juste en fait un pivot. Pour pouvoir pivoter, vous allez avoir besoin de trois informations essentielles. Donc, la rotation est définie par un centre. Il faut connaître le centre de la rotation. Généralement, c'est un point O, ça peut être un autre point. Il y a un angle, il faut savoir de combien de degrés vous devez pivoter et surtout savoir le sens
et il y a deux sens possibles. Pour ça, vous regardez votre horloge et vous apprenez. Vous avez soit le sens horaire, donc le sens de lecture d'une montre, ou le sens anti-horaire, qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, par rotation, je crois qu'il y a une suite, oui, il y a une suite en image. Tout à fait. L'image d'un point P par la rotation de centre O et d'angle alpha va être un point P tel que le point P va être situé sur le cercle de centre O et de rayon OP. Donc, pour récapituler, vous avez un point P dont vous voulez l'image, vous avez le centre O. Ce qu'il faudra faire pour construire son image, c'est déjà commencer par tracer le cercle qui a pour centre O et pour rayon OP. Donc, vous tracez le cercle et pour savoir exactement où sera situé le point P', vous allez devoir construire l'angle avec un rapporteur. Et pour le construire, vous regarderez si vous devez aller dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Et l'angle qui sera formé par PO et P' sera égal à l'angle alpha qui définit la rotation. Première question. L'image du triangle ABC par la rotation de centre O, le point O est représenté en rouge sur la figure, et d'angle 60 degrés dans le sens horaire est la réponse A, la réponse B ou la réponse C. Alors, on vous laisse un petit temps pour répondre. Alors là, le grand débat qu'on a sur notre chat, c'est savoir comment s'organiser au mieux pour ses révisions. Est-ce que toi, tu auras un conseil à leur donner sur comment gérer son temps ou son stress ou sa façon de réviser ? Alors, comment gérer son temps, son stress, sa façon de réviser ? La façon de réviser va dépendre de votre personnalité déjà. Essayez de savoir dès maintenant si vous avez plutôt une mémoire visuelle, plutôt une mémoire auditive, plutôt une mémoire kinesthésique. C'est bon à savoir dès maintenant, vous pourrez du coup adapter les outils qui vous permettront de réviser. En ce qui concerne le temps et le stress, tout ça c'est de l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner, moins vous serez stressé et mieux vous saurez gérer votre temps. Donc, quand vous travaillez à partir de maintenant, donc je vous disais tout à l'heure, utilisez des exotypes brevets. Et pour chaque exercice, donnez-vous un objectif temps. Vous dites cet exercice, je pense que je peux le faire en 10 minutes. Vous essayez de le faire en 10 minutes. Et ben, je crois que c'est le seul conseil que j'ai. Entraînement, entraînement. Est-ce qu'on a des bonnes réponses ? Alors, est-ce qu'on a des bonnes réponses ? Alors, moi, j'ai la réponse sous les yeux. Oui, il y en a quelques-unes. On peut afficher la réponse parce que la première à avoir bien répondu sur YouTube, c'est Zoé BD. Bravo à toi. Donc, la bonne réponse était la réponse B. Tu confirmes que c'est B ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je confirme que c'est B. D'accord. Donc, on avait le triangle ABC. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour tracer, pour faire une rotation, vous allez avoir besoin de compas et de rapporteurs parce que vous devez tracer des cercles. On va commencer par l'image du point B. L'image du point B a été obtenue en traçant le cercle qui est en noir, en pointillé, de centre O et de rayon OB. Ensuite, on a tracé un angle qui fait BOB' qui va être égal à 60 degrés et on va bien dans le sens horaire. Le point C, c'est le même principe. Bon, c'est le point C qui est illustré sur la figure, du coup. Vous avez le cercle de centre O et de rayon OC. Pareil, on trace 60 degrés dans le sens horaire, on obtient le point C'. Et c'est le même principe pour le point A. Du point A, on obtient le point A'. Du coup, il y a la diapo qui s'est affichée à changer. Là, c'est un complément de réponse. Là-dessus, vous avez les deux sens. Si on vous avait demandé de faire la rotation dans le sens anti-horaire, on aurait obtenu l'autre triangle, du coup. On aurait fait la même chose. On est toujours sur les mêmes cercles qui ont été dessinés. Et c'est juste, en fait, que d'un côté, on va soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Dans les rotations, faites bien attention à ça, à dans quel sens vous devez aller. Et surtout, lorsque vous placez les cercles, assurez-vous de ne pas vous tromper. De bien mettre, lorsque vous faites un point B, de bien mettre B' sur le bon cercle, parce que des fois, ça peut arriver que vous traciez bien tous les cercles et que, au lieu d'écrire B', vous écrivez C'. Et avec ça, vous n'aurez pas tous vos points. Y a-t-il Exactement. Des questions sur ça ? Non, je rectifie. Ma réponse, c'est bien Calipou qui a répondu en premier. Ah. Excuse-moi, je n'avais pas vu ta réponse juste au-dessus. Non, oui. Alors, mais si ça, des rotations et tout ça, on ne l'a pas fait cette année, il faut le réviser quand même pour le brevet.
Oui. Il faut tout réviser pour le brevet. Justement, on est là, on est en train de l'apprendre. Tout ce que vous n'avez pas fait, vous devrez le faire normalement d'ici la fin de l'année. Oui, il vous reste deux mois. Pour l'instant, ce que je vous conseille, lorsque vous prenez des sujets types, les anciennes épreuves, travaillez sur des notions que vous avez déjà vues. Essayez de reconnaître si c'est un théorème de Pythagore que vous l'avez déjà vu. Ah oui, cet exercice, c'est théorème de Pythagore, je peux le faire. Ce n'est pas parce que vous prenez le brevet de l'année dernière que vous devez traiter toute l'épreuve. S'il y a des sujets que vous n'avez pas encore vus, ce n'est pas grave, vous les mettez pour plus tard et vous pourrez réviser dès que ce sera fait en classe. Alors, Abdallah, tu nous dis, votre app sauve la vie. Je ne sais pas comment vous remercier DigiSchool. Eh bien, fais-nous un petit tweet ou directement sur notre page Facebook, ça nous ferait plaisir. Et donc, oui, de quelle app il parle? Il parle de l'app Super Brevet by DigiSchool que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre store, que ce soit Apple ou Android. Donc, elle est gratuite et dedans, vous avez plein de fiches de cours, plein de quiz, plein de vidéos de révision. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. On peut passer à la sixième question. Quelle était-elle? Elle est celle-là. Alors, là, vous avez trois figures proposées. La question est, quelles figures ont été obtenues par rotation successive? Donc, par là, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines figures là-dedans que vous avez obtenues en tournant successivement un objet un certain nombre de fois. À votre avis, est-ce qu'il s'agit de la A, de la B, de la C? Donc, plusieurs réponses sont possibles, mais pas toutes les trois. Alors, Carla, tu nous dis, il y a une application DigiSchool, on en a plein, on en a 12 ou 13, donc n'hésite pas à aller voir. Mais pour vous, les collégiens, c'est seulement celle de brevet qui vous concerne. On est en vacances, arrêtez de nous faire penser au brevet. Ah bah, désolé. Désolé. Mais tout le monde n'est pas en vacances, nous on l'est pas en tout cas. Demain, on a le vrai brevet. Brevet blanc, j'imagine que tu penses. Ou peut-être à Pondichéry. Je ne sais pas si Pondichéry commence pas demain. Pondichéry, on est quand? On est le... Je sais que le bac de Pondichéry tombe le 4, donc à savoir vendredi, mais peut-être que le brevet commence avant. Alors, il y a des bonnes réponses. Moi aussi, j'en vois quelques-unes et je vais chercher le nom de celui. Le premier. Exactement. Essayez de ne pas me tromper cette fois. Et je dirais que c'est Acha Okito. Qui a répondu réponse A et réponse B. Dans les deux cas, ce sont des rotations successives. Ce ne sont pas les mêmes angles, certes. La première réponse, donc dans la réponse A, on a le centre O qui est en fait un point de la flèche. Et ce que vous remarquez, c'est à chaque fois, c'est qu'on a fait pivoter la flèche une fois, deux fois, trois fois, d'un angle de 90 degrés. Et la deuxième figure, c'est un triangle qu'on avait initialement. On a également un point qui est sur le triangle, et qu'on a fait pivoter 1, 2, 3, 4, 5 fois, et d'un angle de 60 degrés. Là, ce qui se différencie entre ça et ce qu'on a vu précédemment, le centre peut être extérieur à la figure, ou alors il peut être sur la figure. Là, notamment, il est sur la figure, c'est un point du triangle. Dans tous les cas, la méthode reste la même. Si c'est à vous de le tracer, vous pointez sur le haut, vous tracez tous les cercles, il y aura autant de cercles que de points à représenter, et vous utilisez votre rapporteur pour les angles. Alors, j'ai un petit message pour Sridharni Flaubert qui nous écrit « J'ai l'impression qu'il passe son brevet demain à Pondichéry. N'hésite pas à prendre chez toi tous tes sujets de ton brevet et n'hésite pas à les tweeter ou à nous les envoyer. Comme ça, nous, on pourra les repartager à tout le monde et tout le monde pourra s'entraîner avec ces exams-là. Tu nous ferais un grand plaisir et tu aiderais, je pense, beaucoup de monde. Il y en a un qui ne comprend rien aux fonctions linéaires. Encore une fois, il faudra aller voir. Il y a vraiment plusieurs lives sur les fonctions et pas qu'il y a des lives et il y a des vidéos sur les fonctions linéaires. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et peut-être que si à la fin on a du temps, il faudra reposer la question. Ouais. Si je peux y répondre. Tout à fait. On passe à la dernière rubrique, à savoir l'homothétie. L'homothétie. Voilà cette transformation qui fait trembler tout le monde, qui est la plus complexe, je pense, de toutes les transformations que vous apprenez cette année. Mais à force de travailler avec, vous verrez qu'en fait, c'est rien de très compliqué. Alors, une homothétie va être définie par deux choses. Un centre, donc c'est un point, on va l'appeler O ici, et un rapport qu'on va noter K. C'est un nombre réel et non nul. Donc, en fait, une homothétie va correspondre à un agrandissement ou à une réduction.
Lorsque vous faites une homothétie, vous agrandissez ou vous réduisez une figure. En même temps que vous l'agrandissez ou que vous la réduisez, elle peut se trouver à différents endroits de la, par rapport à la figure initiale. Et c'est ce qui va être un tout petit peu complexe dans les homothéties. Donc alors, pour commencer la suite, s'il vous plaît. Donc on va parler du centre. On va parler du centre. Donc je disais qu'il y a deux éléments qui sont liés. Mais déjà, à quoi sert le centre de l'homothétie? Lorsque vous voulez tracer l'image d'un point P, là plutôt c'est un point M, d'un point M par rapport à l'homothétie de centre O et de rapport K, vous allez obtenir un point M'. Ce point va avoir plusieurs caractéristiques. Pour l'instant, je commence à parler de ce que va donner le centre. Les points O, M et M' seront alignés. Donc vous savez déjà que si vous avez un point M et un centre O, que vous devez faire une homothétie, vous allez obtenir 3 points alignés. La première chose à faire cette fois-ci, c'est de tracer la droite. On peut rester sur l'ancienne diapo, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci. On va te la remettre. Alors, il y a la droite qui est tracée en rouge. Vous devez faire, qu'est-ce que je disais? Vous devez tracer la droite OM. Cette fois-ci, ce ne sera pas que la demi-droite parce que pour l'instant, on ne sait pas où va être situé le point M. Il faudra donc bien faire toute une droite assez grande pour avoir une bonne marge de manœuvre. Et maintenant, on peut afficher la suivante et on va parler du rapport. Aïe, aïe, aïe. Je ne dirai rien. Je ne répondrai pas. Donc, en ce qui concerne le rapport va vous permettre de déterminer la position du point M' sur la droite. Et bah, par la position, on va également parler de la distance en fait, entre le centre et le point M'. Vous pouvez avoir deux cas de figure. Si le rapport est positif, donc par exemple, vous avez 2, 5, 10, ce sont des nombres positifs. Le point image va être sur la demi-droite partant du centre vers le point initial. Et si le rapport est négatif, le point M' va être situé sur l'autre demi-droite qui partira donc du point M vers le centre. Sur la figure, vous verrez qu'il y a un code couleur. Lorsque le K est positif, vous serez donc du côté où, où il y a la flèche verte. Et si c'est le K négatif, vous serez du côté où il y a la flèche rouge. Ensuite, pour savoir exactement où positionner le M', il faudra mesurer la distance OM et la reporter un certain nombre de fois. Bon, avec des calculs, vous allez devoir calculer d'abord la distance OM', dire que OM' va être égal à K fois OM. Si sur cette image, on avait 2 cm entre O et M, que le rapport était 1,5, on va multiplier donc 2 fois 1,5. Ça permettra d'obtenir la distance entre O et M' et poser le point M'. Si je vais trop vite, dites-le moi, histoire qu'on se pose bien là-dessus, parce que ça peut paraître complexe. N'hésitez pas à revoir ce live en replay et à vous repasser les séquences comme ça de cours magistraux où on voit des notions quand même très importantes. Alors, normalement, ce n'est pas avec des figures, les homothéties. Non, ça peut être avec des droites. Bah, une homothétie, c'est une transformation. Mais je vois ce que la personne veut dire. On va y venir. Très bien. Donc là, on n'a pas fini avec le... J'ai pas fini avec la diapo, s'il vous plaît. Merci. C'est simple ce que je disais. Donc, j'ai parlé du cas où le rapport était positif. Quand le rapport est positif, vous cherchez une distance. Donc, vous allez multiplier le rapport K avec la distance initiale. Donc, si j'ai 2 cm pour OM, je ferai 1,5 fois 2 cm si le rapport, c'est 1,5. Par contre, si le rapport est négatif, qu'il est égal à moins 1,5, le moins va juste indiquer que je ne vais pas dans le sens du M et que je vais dans le sens opposé. Mais pour obtenir une distance, il faudra bien multiplier par moins K. Donc, je préfère moins 1,5 pour obtenir 1,5. Le multiplier avec 2 pour obtenir un nombre positif. Donc, n'oubliez pas de toujours prendre vos distances en positif. Et maintenant, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce qui va venir cette année entre techno et physique-chimie? Alors, on ne sait pas encore. Si, on sait. C'est techno-SVT. Ah, si, c'est techno et SVT. Autant pour moi. Donc, du coup, foncez sur les révisions de techno et de SVT. Donc alors, première question. Là, c'est plutôt première question. Première application. Oui.
On a un triangle ABC et on veut savoir comment construire l'image de ce triangle par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donc le O est représenté sur la figure, il y a aussi le rapport. Ici vous remarquerez qu'il n'y a aucune distance et à vous de nous dire comment vous feriez pour construire l'image de ce triangle par une homothétie. Alors la géométrie c'est sur combien de points? Ça dépendra vraiment du brevet. On ne peut pas, malheureusement, pas te le dire à l'avance. Alors, pourquoi des fois les points sont du même côté de O? Pourquoi des fois les points sont du même côté de O? Si c'est dans l'homothétie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rapport qui va vous dire de quel côté mettre le point. Si le rapport est positif, lorsque je suis du point O, si le rapport est positif, ça veut dire que je vais de O vers le point initial. Et si le rapport est négatif, je vais à l'opposé. Donc, tout va dépendre du signe du rapport. Et pour ça, on a un live de l'année dernière sur les homothéties disponible. Je ne sais plus du tout quelle était la date, mais elle est peut-être disponible dans le commentaire. Sinon, on vous la mettra. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui nous disent ce qu'il faut faire? Pas encore. Là, ils débattent sur le fait qu'ils ont l'air quand même plutôt ravis de ne pas avoir à réviser de physique. Certains seront ravis et d'autres seront tristes. Peut-on revoir les fonctions, s'il vous plaît? Alors ça, on t'invite à regarder un de nos anciens lives. Il y a plusieurs lives sur les fonctions. On en a fait un il n'y a pas longtemps en plus. En plus, on a fait un, il y en a en forme cours magistral, il y en a en forme de quiz. Vous avez vraiment tout sur les questions. Après, qui dit, si on finit ça en avance, il est quelle heure? Et que il y a une question bien précise sur les fonctions, je pourrais peut-être y répondre. Ouais. Mais je peut-être pas me dire je comprends rien sur les fonctions, parce que c'est tout un chapitre, me dire clairement ce que vous ne comprenez pas, que je puisse y répondre. Alors, non, mais monsieur Digiscool, je suis un cas désespéré, vous ne comprenez pas, j'ai rien fait du tout, ma soirée va se résumer à vos vidéos alors que je pourrais regarder The Walking Dead tranquillement. Alors, si tu veux, on peut te spoiler la fin de Walking Dead, comme ça tu seras réglé et tu pourras faire tes révisions. Aussi. Non, plaisante. Mais personne ne répond à mes questions, du coup. Alors, on fait une demi-droite CO et on marque C' tel que OC' égale 2 fois OC. Je l'adore. Ça, c'est la première étape, ça. Non? Eh bien, c'est la grande fan des Kids United qui nous suit souvent. Merci, il y en a une qui nous suit. Oui. Elle nous dit, je ne sais pas trop comment expliquer, mais est-ce que c'est ça? Eh bien, ça me paraît pas mal. Elle a très bien, oui. Elle a saisi l'idée. Donc, on peut afficher la suite de ce qu'il faut faire. Première chose, c'est le rapport. Donc, ici, on remarque que le rapport est 2. C'est positif. Donc, on va du point O vers les points dont on veut tracer les images. On va donc faire les demi-droites OA, OB et OC. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc on peut passer à l'image suivante. Exactement. Là, j'ai illustré surtout comment on fait pour le point A. Une fois qu'on a la demi-droite, on sait qu'on a le rapport qui est égal à 2. Si vous aviez des distances, vous auriez pu calculer OA' en faisant 2 fois OA, OB' en faisant 2 fois OB et OC' en faisant 2 fois OC. Mais ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre de mesure, histoire de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Comme c'est 2, ça veut dire que la distance entre le point O et le point A' va être égale à 2 fois la distance entre O et A. On va donc mesurer la distance entre O et A et on va la reporter. Toujours sur l'ancienne diapo. Merci. Donc, on reporte deux fois la distance. Ça correspond aux deux flèches vertes. On fait exactement la même chose avec le point B. On obtient donc le point B', où OB' est égal à 2 fois OB. Et de la même manière, OC' est égal à 2 fois OC. Et maintenant, on peut passer à la suite, où la dernière étape, c'est de tracer le triangle. Et on obtient donc un triangle A', B', C', qui est l'image de ce triangle. Pour celui qui posait la question tout à l'heure, de savoir pourquoi des fois l'image est d'un côté ou l'autre par rapport au centre. Là, c'est vrai que j'aurais pu aller jusqu'au bout et l'illustrer, mais ce n'était pas la question. Si on avait un rapport négatif et que c'était moins 2, le triangle allait se retrouver de l'autre côté du point O. Au lieu de tracer les demi-droites OA, on allait tracer la demi-droite AO. On allait donc avoir le point A' qui serait de l'autre côté de O. Et le O serait donc entre la figure initiale et l'image.
Et après, bon, là-dessus, je ne suis pas rentrée dans tout ce qui est agrandissement, réduction en soi. Les homothéties vont avoir un rapport avec le théorème de Thalès, parce que y a cette histoire de rapport qui revient. Il y a également cette histoire d'agrandissement et de réduction qui est aussi liée à la notion de Thalès, mais tout ça, vous le verrez en regardant les anciens lives de l'année dernière. Et on dira qu'il y a un agrandissement lorsque le rapport est plus grand que 1. Ça veut dire qu'on augmente, on transforme les distances en une valeur qui est plus grande que 1. On va donc obtenir un agrandissement. Si le rapport est plus petit que 1, on obtient une réduction. C'est tout pour ça. Il y a des Alors, One Ships te demande, c'est forcément par rapport à un seul point. Une homothétie a un centre. Une homothétie ne peut pas avoir deux centres différents. Il a un seul centre et il a un seul rapport. Plutôt, elle a un seul centre et elle a un seul rapport. Alors, si c'est moins 2, c'est 2 fois moins 2. Alors, si c'est moins 2, on fait fois moins moins 2. Donc, on disait dans la formule que j'affichais tout à l'heure, on faisait fois moins k. Donc, comme c'est moins 2, on va faire fois moins moins 2. Si une distance était égale à 5, que je devais multiplier par moins 2, j'obtiendrais moins 10. Or, on sait tous qu'une distance ne peut pas être négative. C'est pour ça qu'il faut rajouter un moins devant le rapport. Et en rajoutant un moins devant le moins 2, on annule le négatif et on obtient une vraie distance qui est positive. Et Samuel nous dit, je devais regarder Stranger Things, mais je crois que mon mois de mai va être DigiSchool et non Stranger Things. C'est plus judicieux, Judicieux. Après, tu auras tout le mois de juillet et tout le mois d'août pour te faire l'intégralité de la saison en non-stop. On passe donc à, on vous a prévu un petit résumé, une petite synthèse. Voilà. Si vous avez encore des questions jusque-là, allez-y. Sinon, on passe à la synthèse des différentes transformations. Allez, c'est parti donc pour le résumé. On a parlé de différentes transformations. Ce que vous devez savoir, c'est dès qu'on vous parle d'une certaine transformation, quels sont les paramètres dont vous avez besoin. Lorsqu'il s'agit d'une symétrie centrale, vous devez forcément avoir un centre, sinon pas de symétrie centrale. Lorsqu'il s'agit d'une symétrie axiale, il y a un seul paramètre qui est une droite. Lorsqu'il s'agit d'une translation, vous avez besoin de trois éléments. Une droite qui va être la direction, une distance qui va être donc la longueur du fameux vecteur, donc la flèche, et un sens, savoir dans quel sens on va. Est-ce qu'on va en fait en direction de la flèche qui va être dessinée? Lorsqu'il s'agit d'une rotation, vous avez trois paramètres également à avoir. Vous devez connaître le centre, vous devez connaître un angle et vous devez connaître le sens, sens horaire ou sens antihoraire. Et enfin, lorsqu'il s'agit d'une homothétie, il y a deux choses à savoir. Quel est le centre? Quel est le rapport? Qui parle de rapport parle bien sûr de distance. Et c'est ce qui va faire le lien entre Thalès, parce que dans Thalès, les deux, que ce soit une configuration papillon ou une configuration triangle, les deux triangles qui sont en jeu sont, l'un est un agrandissement de l'autre. Les bases sont parallèles, d'accord, et il y a un rapport qui est obtenu en faisant les côtés d'un triangle divisé par les côtés de l'autre triangle. Donc, en complément, n'hésitez pas à aller voir également le live sur le théorème de Thalès. Et deuxième partie de rappel, il y a certaines propriétés qui sont conservées dans toutes les transformations. Donc, je vous disais que si vous transformez un triangle, vous obtenez forcément un triangle. Si vous transformez une maison, ce sera une maison. Si c'est une chaise, ce sera une chaise. Il n'y a pas de raison qu'une chaise se transforme en un point. Par symétrie centrale, les distances vont être conservées, les angles vont être conservés, le parallélisme va être conservé. Donc, tout ce qui est parallèle dans la figure initiale va aussi être parallèle dans la figure image. Dans la symétrie axiale, c'est pareil. La translation, la rotation, dans toutes ces transformations, vous allez avoir à la fois les distances, les angles et les parallèles qui vont être conservés. Par contre, lorsqu'on parle d'homothétie, comme on parlait encore une fois d'agrandissement, de réduction ou de Thalès, qui dit agrandir ou réduire, dit qu'on ne garde pas forcément les mêmes distances. Si le rapport est égal à 1, là, la distance va être exactement la même. Si le rapport est plus petit que 1, ce ne sera pas la même distance. Si le rapport est plus grand, ce ne sera pas la même distance. Et dans ces cas, on dit en fait qu'il y a proportionnalité. Les distances d'une figure vont être, les longueurs d'une figure vont être proportionnelles aux longueurs de l'autre. Par contre, les angles vont être conservés. Il n'y a aucune raison que les angles changent. Si vous devez transformer par une homothétie un carré, il n'y a pas de raison que l'angle droit devienne un angle aigu.
et les parallèles sont également conservés. Et donc voilà, c'est tout pour ce résumé. Pour ce résumé. Alors, on nous demande le prochain live demain, 18h. Français pour vous, brevet. Donc, le thème, je ne l'ai pas. Alors, la grammaire et la conjugaison pour le diplôme national du brevet. Donc, soyez nombreux demain à 18h. Y a-t-il d'autres questions? C'est quoi la différence entre? Ah, ça doit être entre une symétrie axiale et une rotation. Une symétrie axiale, c'est un effet miroir. Une rotation, c'est un tour. Donc, ils n'ont vraiment rien en commun. Surtout que la symétrie axiale, tu as pour paramètre une droite. Et symétrie, et rotation, tu as pour paramètre un point autour duquel ta figure va tourner. Un angle qui va être l'angle de pivot. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre, en fait, dans la rotation? Ben voilà, c'est tout. C'est tout. C'est toute la différence. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, quelqu'un reparle des fonctions affines. Une fonction affine, c'est une fonction qui est définie par la formule AX. Donc, en fait, on multiplie un X par toujours un même nombre, qui est le coefficient A. Qui parle de fonction affine. C'était affine ou linéaire? Non, affine, c'est AX plus B. Je croyais que c'était linéaire. Affine, c'est AX plus B, c'est une droite. Donc, c'est on multiplie par un nombre et on ajoute un autre nombre. Linéaire, ça va être uniquement AX. Les deux sont représentés par une droite. La fonction linéaire passe par l'origine, la fonction affine ne passe pas par l'origine. Et quand on parle de fonction linéaire, pensez également aux notions de proportionnalité. Donc, la proportionnalité, vous voyez que ça revient beaucoup, ça revient dans les fonctions, ça revient dans les homothéties, et je vais encore me répéter en disant que ça revient dans le théorème de Thalès. Et là, je vous dis juste de vous entraîner avec les différentes épreuves qui existent et revoir les différents lives là-dessus. Alors, on n'a pas de live de techno encore de prévu. On essaye de vous caler ça le plus vite possible. On nous dit même qu'on nous regarde depuis le Japon et nous a regardé depuis l'Inde. Tu vois, tu es international. C'est bien, merci. C'est génial. Ça fait plaisir. Voilà, donc écoute, pas d'autres questions. C'est quoi AX plus B? AX plus B, c'est la formule d'une fonction affine. Exactement. La réponse dans le live sur ce sujet. Exactement. Donc, on vous invite à aller voir directement tous nos autres lives. On vous invite également à suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit DigiSchool, Super Brevet, Twitter de DigiSchool, DigiSchool News, DigiSchool sur Instagram et DigiSchool _. Et faire sur Snapchat, un grand merci à toi. Merci à toi aussi. On vous souhaite une bonne soirée de révision. Bon courage pour vos révisions. Ne stressez pas. N'hésitez pas à passer nous voir en replay. On est là 7 sur 7, 24 c'est sur 24. De quoi? Les questions de la fin, c'est des blagues. Dites-moi que c'est des blagues. Pourquoi? Parce que je vois s'afficher. On vient de faire un live sur tout ça. Et il y en a qui demandent c'est quoi la rotation, c'est quoi la translation. Eh bien, n'hésitez pas à le regarder en replay. Quelqu'un demandait c'était quoi le prochain thème en maths. Il me semble qu'on revient sur de l'algorithmique. Donc, à confirmer. Fort bien. Allez, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à tous et merci encore.